Pour le compte de la formation Intermarché Circus Wanti, nous avons décidé de sortir deux gros leaders qui porteront la formation belge en 2023. Et le premier est bien évidemment Binyam Germay. l'une des sensations depuis plusieurs saisons, a remporté 4 succès en 2022, dont Gore Game et une étape du Giro. Il s'est également illustré sur des grosses courses où il s'est classé 5ème de l'E3 Rölbeck, 6 fois dans le top 10 en 11 étapes du Giro, qu'il a malheureusement dû abandonner suite à un saut de bouchon sur le podium. En fin de saison, il s'est classé 4 du Tour du Doubs, 3e du Grand Prix de Québec et 2e du Grand Prix de Wallonie. Actuellement, nous savons qu'en 2023, il sera au départ du Rand van Vlaanderen et du Tour de France. Le deuxième homme que nous avons décidé de sortir du lot est Louis Menkis. Le Sud-Africain de 30 ans devrait doubler Tour de France et Vuelta en 2023. En 2022, il a terminé 7e de la Grande Boucle et 11e de la Vuelta. Une superbe saison où il a fini troisième du Tour de Sicile, 6 du Critérium de Dauphiné, et pour couronner le tout, il a levé les bras sur le Giro del Apennino. Nous avons également décidé de sortir 4 autres hommes qui pourraient apporter sur des courses de jour ou des courses à étapes de courte durée pour la formation Intermarché Circus Wattie. Le premier d'entre eux est le français Hugo Page. Le jeune coureur débutera sa saison d'ici quelques jours sur le Santos Tour Down Under. Après une saison 2022 positive où il s'est classé 3 de Bashima Bash, 5 de la Famen Ardenne Classic, il a également réalisé 3 fois le top 10 sur le Critérium du Dauphiné. Tout cela s'annonce très positif pour 2023. Ensuite, Lorenzo Rota. L'italien monte en puissance de saison en saison. Il devrait être au départ du Strade Bianche en 2023. En 2022, il a réalisé 19 top 10, où il s'est classé deuxième du Giro de Toscane. Il a remporté le Saskia Tour. Il a également été chercher une belle dixième place sur la Classica San Sebastian ou encore un podium lors du Giro d'Italia. Le troisième homme et non des moindres, Taco van der Horn. Un style atypique, Taco a terminé deuxième à Harambert lors du Tour de France. Il a remporté la Brussels Cycling Classic après 185 km d'échappée. Il s'est également classé 16e de Paris-Roubaix ou encore 10e de Kurn-Bruxelles-Kurn. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore le calendrier du Néerlandais. Et pour finir, nous avons pointé le liégeois Loïc Vliegen, deuxième de l'Etias Tour de Wallonie, cinquième du Dwarsdor et Hageland, cinquième du Sama. Loïc Vliegen a réalisé une saison complète en 2023, nous n'avons pas encore son calendrier, mais nul doute qu'il ira encore chercher de belles choses. Côté sprint, la formation belge aura de quoi faire puisqu'ils pourront compter sur Gerben tyson un des éléments clés de la formation en 2022, avec trois succès, dont un sur le tour de Pologne ou encore sur les quatre jours de Dunkerque, le Belge avait été cherché 11 fois le top 5 en 2022. Il sera accompagné par deux nouvelles recrues, Arne Marit et Rune Eregoutz, le premier cité a levé les bras à deux reprises en 2022. Le second s'est classé quatrième de la Brussels Cycling Classic. Il a également levé les bras à deux reprises, dont une fois sur le Saskia Tour. Et enfin, il y a un espoir. L'Estonien Mikils sera l'un des éléments à suivre pour la formation en 2023. L'espoir estonien s'est classé 24 fois dans le top 10 sur sa saison 2022. Il a également terminé quatrième des championnats du monde U23 en Australie. Et pour terminer cette petite présentation, nous avons décidé de mettre en avant trois renforts de la formation belge dirigée par Jean-François Bourlard. Il s'agit de Rui Alberto Costa. Le portugais, ancien champion du monde, amènera toute son expérience à la jeunesse de la formation. Ensuite, nous avons le revanchard Lilian Calmejane. Le français débarque de la formation AG2R Citroën Team et tentera d'aller chercher des beaux résultats et également d'aider ses coéquipiers en 2023. Et pour terminer, nous avons également le néerlandais Mike Tennyson. Sprinter capable de s'illustrer sur les classiques du Nord, le néerlandais sera un atout majeur de la formation en 2020.